Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Le deuxième chapitre de l'histoire de l'or européen se déroule dans un endroit inimaginable, un véritable lieu d'épouvante. Auschwitz. Dans toutes les langues, ce nom est devenu synonyme de mal absolu. Construit en 1940 pour y enfermer les prisonniers politiques polonais, ce camp est rapidement devenu un camp d'extermination. En 1942, Hitler mettait en œuvre la solution finale qui visait l'anéantissement des Juifs d'Europe. Au total, 1,3 million de personnes ont été déportées à Auschwitz. À la fin de la guerre, plus d'1 million d'entre elles y avaient péri. Soit environ 250 000 de plus que le nombre total de soldats britanniques et américains morts au combat pendant la Seconde Guerre mondiale.